Le troupeau de, publié par Mary Austin en 1906 est un récit témoignage poético-ethnologique. Donc bien évidemment, ça fait entièrement partie de ma ligne éditoriale sur les questions du pastoralisme. Mais en plus, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'est faire le lien entre quelque chose qui est à la fois technique et à la fois très, très littéraire. C'est, je dirais, une suite de témoignages et d'anecdotes sur les gens qui vivent dans la montagne, voilà, aux États-Unis. Et pas simplement les gens qui vivent dans la montagne. Quand je dis les gens, ça peut être des bergers, ça peut être des fermiers en tout genre, d'ailleurs, ça peut être des Indiens, comme des gens d'origine européenne. C'est une observation de la vie des animaux. Et quand je parle des animaux, je parle des animaux sauvages comme les animaux domestiques. C'est un des premiers livre qui nous parle de la psychologie animale. Et j'ai envie de dire, il y a de la passion, du crime, du drame, du mélodrame, et qui nous montre que la nature, c'est pas simplement l'harmonie entre les êtres, mais que c'est aussi des hommes, des créatures qui luttent pour leur survie et qui en tuent d'autres. Voilà. Donc il faut voir ça comme une suite d'histoires fragmentaires. Le style de Mary Austin est un style un petit peu déconcertant. Moi, je dis souvent qu'il épouse les paysages de la Sierra Nevada, c'est-à-dire qu'il est à la fois souple et rugueux. Il fallait essayer en français de trouver un équilibre entre ces deux aspects de son écriture. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère avoir réussi à donner quelque chose de fluide, de lyrique, voilà, qui donne envie de le lire.